Donc, à la travers du projet du renouvellement du Musée de sciences et technologies du Canada, un de nos grands défis, c'est d'être capable de préserver toute notre histoire, toute l'historique du site. Donc, on parle de la boulangerie de Morrison-Lamotte, on parle du lancement du musée en 1967 avec Dr. Baird, avec une façade nouvelle, avec une vie nouvelle, en présentant un aspect futur. Donc, c'est vraiment un défi qui est important pour nous. Donc, on parle vraiment de garder le phare sur la rue Saint-Laurent, une partie intégrale. On veut présenter plus de trains. C'est toutes des choses qu'il faut jongler quand on fait la planification d'un site qui va représenter le futur et le passé. Je pense que c'est un défi que l'équipe, comme tous les autres défis, vont avoir été capable de répondre à l'appel en novembre 2017.